Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, je vais vous transmettre deux cartes, deux messages. Deux cartes, deux messages pour aujourd'hui. On va voir un petit peu ce que je peux vous transmettre. J'espère que vous vous portez bien. Et on va y aller, on commence. Alors, on va prendre mon message avec ce magnifique oracle. Celui-ci. Et on y va avec celui-ci. Allez, c'est parti. Alors, un message pour aujourd'hui. Je tenais à vous remercier pour votre présence. Merci pour tous vos jolis commentaires, pour vos likes. Merci pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Et on y va. Alors, un petit message. Oh, ça saute. Ouhouhou. C'est celle-ci. Ok. Et on va prendre un message avec le tarot des anges gardiens. Je prends un message avec celui-ci. Oh, ça saute tout de suite. Alors, je transmets le message. Donc là, peut-être, on vous recommande de réfléchir et de faire le point, le point, et lâcher prise aussi. Donc réfléchissez, faites le point, et après ça, faites un lâcher prise. Pour éviter de trop penser. Le deuxième message. Et on y va. C'est parti. Donc vous pouvez mettre sur pause, soit vous choisissez la carte gauche. Gauche, droite, je me confonds. Gauche, droite, ou les deux, si vous êtes appelé par les deux. Et on découvre celui-ci. Alors, on vous parle ici d'une période d'investissement favorable. Alors, période d'investissement favorable. Alors, voici une bonne période. On vous dit que c'est une bonne période. Pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous, à récolter des intérêts. Alors, peut-être que vous pouvez avoir, ou alors vous avez peut-être un problème et on vous dit que la solution à vos problèmes doit passer par un engagement de votre part. Il peut y avoir des gens d'affaires qui vont vous faire une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Alors, vous voilà dans une période positive. Alors, vos idées portent leurs fruits. Continuez, vous êtes sur une belle lancée. Le temps est précieux, alors dépensez-le au bon endroit. Dressez un bilan du temps passé dans différentes activités et coupez là où il ne vous rapporte plus. Vous pourrez l'investir plutôt dans un domaine plus payant. Ne pensez pas seulement à consacrer du temps pour faire de l'argent. Cela peut s'appliquer à votre vie familiale, conjugale ou même à votre passe-temps. On pourrait vous suggérer d'intéressantes propositions d'affaires. Si vous avez libéré du temps dans votre agenda, acceptez. Car pour moi, vous allez récolter sur le long terme. Et vous pourriez aussi profiter de cette période pour vous intéresser peut-être à la bourse ou suivre des formations. Et pour moi, vous avez du flair aussi pour dénicher les bonnes affaires. Voilà.
Deuxième petit message. Alors, là, c'est une aide de la prospérité. Alors, peut-être que là, on vous recommande d'absolument vous organiser, de définir un plan d'action, de retrousser vos manches et de vous mettre au travail. En tout cas, vous êtes à proximité de vous, il y a vos anges gardiens. Ils sont prêts à vous aider. Vous avez un grand cœur, vous êtes vif d'esprit et vous avez une infinie patience. Voilà, voilà tout ce que je devais vous transmettre pour aujourd'hui. C'était un réel plaisir pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des likes, à vous abonner si c'est toujours pas fait, que vous désirez le faire. Je vous embrasse bien fort, prenez bien bien soin de vous et je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, vidéos, messages, etc. 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 À très vite.